troisième maintenant. Ils vont exécuter deux sauts permis et demi renversés en position groupée. C'est un 2.7. Alors, c'est un plongeon qui est habituellement très, très fort pour Émilie. Et pour Anne, eh bien, elle a dû le pratiquer à l'entraînement davantage parce qu'il ne faisait pas partie de sa liste de plongeons en compétition individuelle. Oh! Très belle figure! On sait que... Elles ont plongé hein, seulement... C'est la deuxième fois seulement qu'elles participent à une compétition de cette envergure ensemble. La première fois, elles étaient médaillées d'argent en Italie. Cette année, en juillet dernier. Alors, regardez. Superbe synchronisation, superbe exécution aussi. Et ils ont un 10, René. Oui, on se plaignait tantôt hein, des 7-5 et des 7 qu'on trouvait peut-être un peu durs, mais cette fois... On applaudit le 10, tant et si bien qu'elle passe au premier rang à 237,33. Et trois sauts perdus et demi avant, position carpée. Et c'est pas évident hein, pour notre duo de Canadiennes qui Émilie s'entraîne à Montréal, Anne à Pointe-Claire. Elle devait une fois par semaine minimum se rencontrer pour essayer de pratiquer ensemble, d'établir la complicité. Ça semblait bien parti. Oh oui! Oh, oui. Je crois que ce sera une médaille. Quelle couleur? On ne le sait pas encore. Quelle belle synchronisation, une belle édition aussi. Alors, 18, 7,5. 7 et 8 pour l'exécution, mais ensuite, vous voyez, des 9, des 8,5, des 9. Elles sont très heureuses. Pour le moment, elles sont deuxièmes à 312,03. Alors, du club de plongeon Camo, Émilie Moon, du club de Pointe-Claire, Anne Montminy. Émilie à la gauche, Anne à la droite, Anne qui était déjà médaillée de bronze au tremplin. De 10 mètres. Émilie, première médaille olympique pour cette jeune de 18 ans. J'ai dit au tremplin, pardon. C'est à la tour. Le tremplin est présenté un peu plus tard aujourd'hui avec Blythe Hartley. Alors, les voici, nos médaillés d'argent. Une prestation québécoise. Digne de mention. RDS est fier d'Émilie Heymans et Anne Montminy qui ont remporté la médaille d'argent en plongeon synchronisé. La valse des médailles se poursuit à RDS.